Au fond du trou en début de saison, le FC Barcelone semble bien différent aujourd'hui sous les ordres de Xavi. Le Barça vole déjà titre sport. Les Blaugrana se sont largement imposés sur la pelouse de Valence sur le score de 4-1. Pour le journal catalan, le Barça a pratiqué son meilleur football de la saison. C'est génial pour Mindo Deportivo. Pierre-Emerick Aubameyang a même été auteur d'un triplé. Le FC Barcelone remonte à la 4e place, à un point du Real Betis. Triple buteur lors de la victoire du FC Barcelone dimanche, sur la pelouse de Valence 4-1, Pierre-Emerick Aubameyang qui a inscrit ses premiers buts, avec les Blaugrana est rentré dans un cercle très fermé grâce à cette performance. Selon le spécialiste des statistiques Opta, le buteur gabonais est l'un des 4 joueurs à avoir marqué en Liga 3 buts avec Barcelone, Premier League 68 avec Arsenal, Bundesliga 98 avec Dortmund et Ligue 1, 41 avec majoritairement avec Saint-Étienne au XXIe siècle. Seuls Stevan Jovtic, Séville, Manchester City, Hertha et Monaco, Michy Batshuayi, Valence, Chelsea, Dortmund et Marseille, et James Rodriguez, Real Madrid, Everton, Bayern Munich et Monaco, ont réalisé la même chose que l'attaquant de 32 ans. Belle surprise! Alors qu'il pensait dans un premier temps avoir inscrit un doublé lors de la large victoire du FC Barcelone à Valence, 4-1, ce dimanche, en Liga, Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, s'est finalement vu accorder un 3e but, sur une frappe contrée de Pedri. Ce qui vaut à l'attaquant gabonais son premier triplé sous ses nouvelles couleurs Blaugrana. A noter que l'ancien capitaine d'Arsenal est le premier joueur au XXIe siècle à marquer un coup du chapeau en Ligue 1, en Bundesliga, en Premier League, et donc en Liga. Mestalla est un peu comme chez moi. J'avais marqué un hat-trick avec Arsenal en finale de l'Europa League ici. Je suis content d'avoir marqué et de gagner. Nous jouons bien depuis quelques matchs. Nous avons un match important contre Naples jeudi, a de son côté commenté Pierre-Emerick Aubameyang à l'issue de la rencontre. Selon Marca, le FC Barcelone espère encore recruter le défenseur de Chelsea Andri Christensen. Le défenseur central de 25 ans, dont le contrat avec les Blues se termine en juin prochain, serait l'un des objectifs principaux des Blaugrana pour renforcer leur défense durant le mercato estival. Mais ce dossier s'annonce compliqué pour le Barça, puisque le défenseur danois est courtisé par d'autres clubs, et pourrait également prolonger son contrat avec le club londonien. Christensen, qui a disputé 151 matchs, avec le maillot de Chelsea, et a remporté notamment la Ligue Europa, et la Ligue des Champions, serait un renfort de taille pour la charnière catalane. Les Barcelonais risquent de perdre l'anglais Umtiti l'été prochain, et ne compteraient plus dans leur rang que Piqué, Mingueza, Arojo et Eric Garcia. Le Danois analyse pour l'heure toutes les possibilités et n'a donné aucune réponse.